moi j'ai voulu juste vous expliquer la démarche. Je me suis dit, dans les endroits où il n'y aura peut-être pas d'initiative citoyenne, d'initiative de maire, il n'y en a presque pas eu, parce que je pense que vous avez, l'association des maires avait dit, bah, nous on prête les salles volontiers, mais on ne sera pas, hein, je crois que c'est ça, hein, mais on ne sera pas nous-mêmes... facilitateur. On est facilitateur, mais voilà. on ne sera pas nous-mêmes organisateurs, donc je me suis dit... Peut-être que ça serait une idée, alors qu'à Digne, il y a des choses qui ont été faites dans les grandes villes, plutôt, les grands villages, des choses qu'ils ont faites. Plutôt, mon idée, c'était moi, dans les endroits où les petits villages, où il n'y a rien d'organisé, allez, je vais y aller. Je vais essayer d'organiser, enfin, je vais dire, on va peut-être organiser quelque chose, et on verra. Il y a du monde, il n'y a pas du monde, il n'y a pas de monde, on verra. C'est intéressant d'être en petit comité parce que la parole est plus facile et puis on s'écoute mieux. Voilà, donc on vient de finir un grand débat sur la fiscalité qui a largement débordé ce thème. Une dizaine de personnes dans un village de 150 habitants. On a beaucoup parlé de ruralité et de problèmes liés à ce sentiment d'être abandonné dans les campagnes.